Tandis que le magicien lisait les inscriptions, il commença à comprendre les légendes des artefacts. Il y avait jadis trois gardiens, chacun possédant un artefact à protéger. Le trine était l'artefact de l'âme et de la vertu, ainsi qu'un catalyseur pour les pouvoirs du bien qui avait aidé à instruire en silence les bons magiciens de l'Académie astrale. Les deux autres artefacts n'étaient mentionnés que brièvement. Le deuxième, qui se rapportait à l'esprit et à la puissance, se trouvait dans le grand château au milieu du royaume. Le magicien ne comprenait pas toutes les inscriptions car il manquait des fragments, mais cela lui suffisait. Il devait aller au château, là où se trouvait le deuxième artefact. Les bruits sinistres se firent entendre au loin, une vaste terre abandonnée se trouvait entre nos héros et le château, le cimetière du dragon. Bien, ça fait longtemps que je ne me suis pas occupé de vous, les petits Français. Alors allons-y. Je comprends tout maintenant. Nos âmes sont liées dans cet artefact, et nos enveloppes physiques ne sont que des simples images de nos âmes. J'ai faim avec tous ces combats. Pourquoi ne m'écoutez-vous pas? C'est excitant. Nous devons nous hâter de rejoindre le château. Et c'est le seul chemin? Le cimetière du dragon? Alors à la place de petits ossements, nous allons en voir des gros? Que ferons-nous ici s'ils reviennent à la vie? C'est le chemin le plus rapide pour aller au château, ma chère. Croyez-moi. Here we go. Alors, logiquement, on devrait avoir un peu moins de tout que dans les précédents épisodes. Puisque je suis un peu moins malade, en théorie. Probablement toujours autant de conneries et d'onomatopées. Ça, je vous préviens, ça risque pas de changer. Bien joué. Magnifique. J'ai un peu du mal à sauter. Non. Allez. Je remarque que je suis pas plus doué qu'avant. Oh. Allez, là. Hop, voilà. Bim, pleine face. Oh. Oh. Ouch. Brillant. Sauf que là... Là, concrètement, sans elle, j'ai un peu de mal à voir où est-ce qu'on va. Quoique. On devrait avoir un moyen de s'arranger avec les caisses. J'ai oublié de lancer le chrono. Hop. Pas trop loin, s'il te plaît, merci. Ok. Ça devrait le faire, ça. Oui, ça le fait. Ah!
boire. Non. Merci. Si. Je serais pas contre le fait de monter de niveau quand même. Hein. Ça commence à être un peu long. Comment je fais pour te prendre toi déjà? Ah, comme ça. Ouf. Donc, comme je vous disais, la semaine a été un peu difficile et elle va probablement la... Oula. Ouais, c'est une période assez compliquée pour moi, avec pas mal de choses à faire et à rendre. Donc, c'est un peu délicat. Moi, je monte là-haut, moi. Je vais essayer de faire mon possible pour en faire le plus possible. Mais jusqu'à la mi-décembre, ça va être un petit peu compliqué. Noël devrait être un petit peu plus calme. Et il faut à tout prix que je trouve de nouvelles choses à faire. Ah, niveau suivant. Je disais tout à l'heure, mais pourquoi je n'ai toujours pas monté de niveau? Ouch. Mais en fait, j'ai monté de niveau. Ouch. Oh. Pas déconner non plus. Hein. Hop. Allez. Oh, il y a un coffre. Oh non. Tout va bien. Qu'est-ce que tu m'as trouvé? Puissarde. Bon, bref. Niveau suivant. Non, c'est pas là. C'est là. Alors, la cuissarde. J'ai bien envie de lui donner à lui. Ouais. Bref, arrêtez de me saouler. Moi, je fais pour savoir combien j'ai de... Je sais pas. Bref. Allez. Deux flèches en même temps, ça me va très bien. J'ai qu'un point. C'est pas très très cool. Ouais. Alors, je disais qu'il fallait que je trouve du nouveau contenu. Je suis aussi un petit peu en rade dessous. Donc, j'ai pas énormément de fond. Il faudrait que je me contente de ce que j'ai pour l'instant. C'est-à-dire probablement soit... Excusez-moi, j'essaie de me concentrer en même temps. Zut. Désolé. Donc, je disais, probablement, soit Batman, soit sport, soit je sais plus trop quoi d'autre. Initialement, une seule planche apparaît à la fois. Et comment je fais pour descendre ? Voilà. Très probablement Batman. Alors, le premier Batman a l'air assez flippant.
Mais est-ce qu'il suffit à être placé en soirée frisson? Je crois pas, malheureusement. Bah voyons. Génial. Donc, je ne pense pas qu'on va le mettre en soirée frisson, et surtout que j'ai d'autres plans prévus pour la soirée frisson. Donc ce serait plutôt une série standard. Quoi d'autre? Donc ça pourrait être Batman, ça pourrait être... Ça pourrait être sport, ça pourrait être Borderlands, ça pourrait être Portal 2. Alors, en même temps, Portal 2, je suis censé avoir un petit projet de coop avec mon ami de Pikachot. Donc, peut-être que je vais le garder de côté, Portal 2. Donc, voilà, ça laisse pas des masses de choix, Borderlands... Ou plus de jeux indépendants, j'en ai aussi certains en liste, auxquels il faudrait que je joue malheureusement. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Oh, Batman me paraît assez sympa comme programme. J'ai juste regardé un peu le début pour voir si c'était facilement jouable. Et à mon avis... Il y a moyen qu'on se marre plutôt bien. Tout a été traduit en français, malheureusement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok, les touches ne répondent plus. Magnifique. Super. Génial. Il y a des sérieux bugs de touches dans ce jeu, quand même. Ok, bon, ça marche toujours pas. On va essayer de... faire avec, mais je risque d'avoir un peu de mal quand même. Puis on va pas dire de grossièreté, mais presque. Qu'est-ce que c'est que ce délire, hein? Ouf, tout va bien, c'est réparé. Donc tout a été traduit en français, mais heureusement, les voix ne sont pas trop merdiques. En particulier celle de... un de mes personnages préférés, qui est un des méchants. Donc, à mon avis, il y a moyen de se faire bien plaisir avec Batman. Super. Voilà qui est mieux. Oups là. Ah, il est mort. Forcément. Purée. Je crois que je vais arrêter de... Non ! Pas terrible ça. Quoique. Oh. Bref, laissons tomber cette connerie. Oh, super. Génial, je vais mourir. Je suis mort. Donc voilà, je suis un petit peu déconcentré par tout ce que j'ai à vous dire. Et je suis pas non plus très fun, du coup, c'est pas marrant. Il faut que je me remette dedans. Non, ça c'est pas terrible du tout.
là. Alors, il y a énormément de jeux récents auxquels je voudrais jouer aussi, bien sûr. Du genre Saints Row, The Third, qui a l'air d'être un jeu complètement délirant, mais auquel je ne pourrais pas jouer. Parce qu'évidemment, je ne crois pas que ça existe pour Mac. Quoi d'autre ? Skyrim aussi, qui aurait été assez cool, mais qui, même problème, n'est pas accessible sur Mac. Bah voyons. Allez hop, meurs. Là, il y a de la vie, on s'en fout. Parce que ça me coûtait aussi cher d'aller chercher. Là, on pourrait faire une petite planche ratée. Raté aussi. Ah, je peux pas la faire aussi longue que je veux en fait. Oui. Meurs, chien. Bref, voilà. Je vais arrêter de parler parce que je raconte que des conneries. Mais donc, dis-moi un peu ce que vous pensez de tout ça. Comment je fais pour les utiliser? Je sais pas. Hop. Toujours est-il que... on va probablement arriver quasiment à la fin du temps imparti. Non. Oui, non, va-t'en de là, toi. Allez, grimpe, grimpe, grimpe. Oui, oui, allez. Peut-être qu'avec la voleuse, je peux m'attacher là-haut. Non. Bon, peut-être qu'avec lui, je peux m'amuser à... Non. Bon, pas ça, crétin des plaines. Ça, là. Vlam. Tu peux pas jouer avec ? Ni. Ni. Bref, on s'en fout. On avance. Il dit que j'essaierai de faire un peu moins de quête à la potion verte là. Ouh, non. Hop. Ok. Hop. Non. Sauvé. Attends, qui crève. Il y a du peuple. Non, 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 non. Merci. Oh non. Tout ce chemin pour rien. Bon alors là, ça dézingue du squelette. Mon petit magicien, s'il vous plaît, merci. Oh. Qu'est-ce que j'aurais envie de vous dire d'autre? Je suis un peu... Ouais. Je suis pas du genre très patient. Vu que j'ai pas tout le temps énormément de temps à accorder à... au jeu et compagnie. J'ai tendance à être assez impatient et les vidéos de la série en anglais de Minecraft marchent pas aussi bien que j'aurais aimé.
Donc je sais pas, je vais attendre encore quelques épisodes, voir si ça fonctionne un peu mieux. Et sinon, bon, je vais peut-être revenir au français, quoi, mais... L'ennui, c'est que... Il n'y a pas énormément de public français qui regarde les vidéos de Minecraft. Ou alors pas... Qui ont ma tranche d'âge. Et tant qu'à faire, je préférerais quand même que... Je puisse avoir les mêmes délires avec ceux qui regardent. De toute façon, c'est prévu que ça recommence, je l'avais déjà dit, puisque le jeu Minecraft va sortir le 18 novembre, et que des tonnes et des tonnes de mods avec lesquels je joue ont été mis à jour, avec des ajouts mais tout simplement extraordinaires. C'en est presque effarant à quel point certains ont changé ou d'autres ont évolué, donc ça aura presque plus de sens de continuer avec un mode qui a complètement changé dans la version suivante quand même. Donc voilà. Ça aussi, c'est des news. Oui, il y a tant de squelettes, ça m'énerve. Je sais plus quoi faire pour passer au travers, là. Parce que je suis presque sûr que ça sera pas assez long. Les planches, là. Mais non, forcément. Ah ah! Ça, en revanche, ça tient. Ouh, oui! Magnifique. Et on va poser ici, au point de sauvegarde, et se reprendre pour un épisode. J'ai plus le numéro de cet épisode, du coup. Probablement, on est épisode 6, j'ai envie de dire. 4. 6 ou 5, pardon. Donc voilà, je vous dis à bientôt les petits amis.